C'est mon bien.
Le titre c'est M'approcher de Dieu et il a été écrit à partir du psaume 73 où Asaph, donc qui dirigeait la chorale sous David, a vécu un moment difficile. Vous relirez le psaume 73. C'est pour ça qu'il dit dans ce psaume, pour moi, à la fin, alors qu'il traverse plein de difficultés, à la fin de ce psaume, donc il dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et donc, ce chant, c'est un frère de l'église où je suis engagé. Il s'appelle Patrick, il a écrit. Et donc, après, il y a quelques années, donc, je lui ai demandé de pouvoir reprendre ce chant et de pouvoir le mettre sur mon deuxième album. C'est un chant qui touche, c'est un chant merveilleux. Ce qui est important au-delà de la musique, c'est d'écouter les paroles. Parce que ce n'est pas la musique qui nous change. Ce qui nous change, c'est le contenu du message. Et parfois, j'entends des CD où il y a la musique qui est tellement devant qu'on a du mal à entendre, à percevoir le message. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le message. Amen. La musique ne doit être là que pour support, hein, pour nous aider à communiquer le message. Mais ce n'est pas la musique qui sauve, c'est le message. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la musique. Personne ne réagit. Amen. Non, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la musique. Elle vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la musique. Hein? Romains 10,
verset 17, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouvez lire. La foi, elle vient jamais de la musique ou de quoi que ce soit d'autre. Elle vient toujours de la parole de Dieu. Et quand on veut être guéri, c'est en écoutant la parole de Dieu qu'elle suscite la foi en nous. Amen. Et quand les gens, comme hier soir, lorsque je prêchais l'évangile sur la place là-bas, sur le terrain de basket en plein air, et que donc cette cité, la Baobab, le quartier, eh bien, ce qui va attirer les gens, c'est pas moi, c'est le message de l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il a encore dit ailleurs que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Ce n'est jamais la parole d'un homme, d'une femme ou de quoi que ce soit. On n'est rien du tout, nous. Ce qui fait la différence, c'est lorsque nous sommes utilisés par Dieu pour annoncer ce beau message de l'évangile. Nous ne sommes que des instruments, rien d'autre, mes amis. Amen. Ok, donc, merci beaucoup encore une fois à vous qui avez pris le temps de travailler. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de vous entendre le chanter. D'habitude, c'est moi qui le chante, mais là, de vous entendre le chanter vous-même, de l'avoir travaillé. Et puis, vous pourrez continuer à le chanter dans votre église. Mais c'est un chant merveilleux que je chante aussi un peu partout. Alors, avant de venir au message de ce matin, donc vous avez vu sur les affiches, d'ailleurs c'est là devant nous, hein, le titre de mon message de ce matin, c'est « Oui, je viens bientôt », basé sur Apocalypse 22, 20. Très important, et on va voir combien ce message du retour du Seigneur est important de le prêcher aujourd'hui. Mais juste avant, donc j'aimerais juste chanter un autre chant, que vous puissiez le découvrir. Donc c'est un chant qui fait partie de mon dernier album qui a été déjà enregistré il y a quelques années puisque j'en ai fait 3 en tout. Et ce chant dit « Je crois en Jésus ». C'est le titre du chant. Et il continue ce chant en disant « Je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. Et en fait, dans tout ce que je viens de dire, que je vais chanter dans ce chant, l'évangile est résumé. Parce que ce n'est pas le tout de croire en Jésus. Il y a des gens, écoutez bien, qui croient en Jésus, mais qui un jour seront en enfer. Je répète, comment est-ce possible croire en Jésus et être un jour en enfer? Comment est-ce possible? Parce que croire en Jésus ne suffit pas pour aller au ciel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus parce que c'est l'homme le plus connu sur la terre. Tapez sur Google Jésus, le mot Jésus. Vous allez voir des centaines et des centaines de pages le concernant. Et il y a des gens qui, quand vous leur dites « Est-ce que tu crois en Jésus ?» ils vous disent « Oui, mais ils croient en Jésus dans le sens... » Du personnage historique, ils croient qu'il est né d'une Vierge Marie, ils croient à l'histoire de Jésus, mais ça n'a jamais rien changé dans leur vie. Intellectuellement, ils comprennent cela. Ils disent, oui, je connais l'histoire de Jésus, oui, je sais comment il est né, je sais qu'il a vécu là-bas, qu'il est né même à Bethléem, je connais beaucoup de choses, je sais qu'il a fait des miracles, mais ça ne change jamais leur vie. Et quand vous posez cette question à quelqu'un, tu crois en Jésus, c'est pour entrer en matière. Mais la deuxième question qui vient, et c'est ce que dit ce chant, et là, quand vous posez la deuxième question, elle divise tout de suite. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Et là, vous verrez tout de suite qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je veux bien croire à l'histoire de Jésus, mais croire qu'il est le Fils de Dieu, non, je ne crois pas que Dieu a un Fils. Et ça divise. Mais moi je crois pas simplement en Jésus, dans l'histoire, je crois que Jésus est Yeshua, qu'il est le Fils de Dieu. Et pour aller au ciel, pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Sans ça, ce n'est pas possible d'aller au ciel. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui disent, moi je crois en Jésus, mais ça ne suffit pas. Yes. Pour aller au ciel, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Jésus, c'est trop banal. Vous voyez? C'est comme des gens qui disent,
Ah bien, vous savez, moi je crois en Dieu, hein. Ah oui, moi je prie Dieu. Et puis, Dieu, ça reste aussi très banal, même chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui parlent de Dieu, mais Dieu, c'est banal. Il y a beaucoup de religions qui croient en Dieu. Et puis, quand d'un seul coup, vous êtes en train de parler comme ça, et puis quelqu'un dit, moi je crois en Jésus. D'un seul coup, ça amène un froid. Ah bon, tu crois en Jésus? Oui, parce que Jésus, c'est le fondement. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez? Et les gens, vous marquerez. Moi, je crois en Dieu, en moi aussi. Et d'un seul coup, moi, je crois en Jésus. Et là, ça m'amène à un malaise. Parce que vous parlez du fondement, Jésus, Fils de Dieu. Amen. Et puis enfin, ce chant dit encore, j'en ai fait tout un message. Et c'est le troisième point, ce chant dit, je crois qu'il est mort et ressuscité. Et là encore, quand vous posez la troisième question aux gens, est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Là, vous dites, ça divise encore. Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand vous dites qu'il est mort et ressuscité, alors là, ils disent quoi? Dieu a un Fils qui est ressuscité, mais moi, je ne crois pas à la résurrection. Et ça divise. Mais si Jésus n'est pas mort et ressuscité, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre mon temps. Parce que je suis en train de prêcher un message qui est faux. Et Paul, si vous connaissez la Bible, c'est très important de la connaître, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que nous croyons dans un message qui n'est pas vrai. Et il va plus loin, il dit, non seulement vous êtes encore dans vos péchés, mais la prédication est vaine. Ça ne sert à rien, c'est, puisqu'il est, il n'est pas ressuscité. Il est mort. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Et c'est ça, c'est incontournable. C'est un fondement biblique. Jésus est mort, il est ressuscité. Et le quatrième point de ce chant, c'est je crois qu'il a payé pour tous, mais il a payé pour moi personnellement. Et si tu ne crois pas à ce que je viens de dire, si tu crois simplement dans « Oh, je crois en Dieu !»« Oh, je crois en Jésus !» Oui, mais quel Jésus? Jésus, fils de Dieu? Yeshua? Jésus, fils de David? Jésus de Nazareth? Et là, quand vous commencez à parler comme ça et que vous posez ces fondements, il y en a, ils ne supportent pas. Moi, le Jésus auquel je crois, il est ressuscité. Il est le fils de Dieu. Il a donné sa vie pour moi. Amen. Écoutez le chant. Écoutez-le. Montez le son. Ok, c'est bon. Qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien,
mort est ressuscité. Oh, je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Oh, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, nous pardonner. Et je crois. Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Bien, alors, vous savez, j'ai fait beaucoup de nations. Le Seigneur m'a fait la grâce tout au long de ces 23 ans environ de ministère de voyager dans bien des nations. Et s'il y a bien, alors par contre, c'est pas la peine de jouer du piano pendant que je prêche. Je préfère que ce soit sans piano. Et dans toutes ces nations où je suis allé, ceux qui connaissent mon ministère le savent, s'il y a un message que j'ai prêché depuis ces 23 ans, pratiquement dans toutes les nations que j'ai fait, c'est le message du retour de Jésus. Parce que je ne sais pas ce que vous ici au Sénégal vous attendez, mais moi, ce qui a été un moteur dans ma vie, et ceux qui me connaissent et mon épouse serait là, vous le direz, c'est que j'attends jour après jour le retour de Jésus. Amen. C'est que quand j'ai donné ma vie à Jésus et que le Seigneur était venu dans cette boîte de nuit me retirer de là, quand après j'ai entendu parler du retour de Jésus, c'est quelque chose qui m'a impacté, qui m'a touché dans ma tête de jeune. Et je savais que quand j'ai entendu parler que Jésus allait revenir un jour, je savais que s'il revenait à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Mais je trouvais merveilleux qu'un jour, Jésus vienne chercher ses rachetés, chercher Amen. Ses enfants. Amen. Et l'église où j'ai grandi, où j'ai pris des racines, c'était une petite église. Et le pasteur qui m'a formé s'appelait le pasteur Bruno. Et cet homme, tous les un mois et demi, il nous parlait du retour de Jésus. Et ça, c'était dans les années 80. Et ça nous maintenait en éveil. Et dans les années 80, on entendait des prophéties, mon peuple, sois en éveil parce que je reviens bientôt, il faut te préparer. Ça, c'était dans les années 80. Et je vous dis, dans notre église, mon pasteur nous enseignait beaucoup sur le retour du Seigneur. Les années 80. Mais je me suis aperçu que petit à petit, tout au long de ces années, quand j'allais dans ces différentes nations, ou même en France, le message du retour du Seigneur était si peu prêché. À tel point comme si il n'existait plus. Comme si on avait arraché des pages dans la Bible. Mes amis, mais pourtant, le retour du Seigneur dans la Bible, c'est pas une option. Vous savez, il y a des gens dans les églises, et quand j'allais dans ces nations, quand j'allais prêcher l'évangile, faire des missions, des fois je regardais dans les églises le programme qui est développé. Et le programme, alors il y avait toutes sortes de thèmes, le combat spirituel, la prière, la vie de couple, ok, mais je voyais rarement sur le retour de Jésus. Mais mes amis, dans la Bible, et moi je prêche aussi hein, sur ces thèmes-là, et Paul dit ceci, très important. Paul il dit, je vous ai annoncé tout l'évangile sans rien vous cacher. Mais Paul il dit,
Je vous ai annoncé l'évangile dans sa globalité, pas simplement ce que j'aime, ce qui m'arrange. Et vous savez, il y a des églises, ils ne parlent que de messages qui les arrangent. Et il y a des messages où jamais vous en entendez parler. Mais Paul, il dit, je vous ai annoncé tout l'évangile, d'autres versions diront tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. J'ai l'impression que parfois dans des églises, on prêche ce qu'on aime, ce qui nous arrange. Mais on doit connaître la Bible dans sa globalité. Et en particulier, le thème du retour du Seigneur, dans la Bible, ce n'est pas une option, ce n'est pas « ça je prêche pas ». Non, dans la Bible, le retour de Jésus, c'est une doctrine, mes amis. Ça fait partie de la doctrine même de la Bible. C'est quelque chose qu'on doit enseigner. Et dans la Bible, vous savez, simplement, dans le Nouveau Testament, que dans le Nouveau Testament, Paul en parle, entre Paul, Pierre et bien d'autres, vous savez combien de fois il est parlé du retour de Jésus, rien que dans le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament nous en parle aussi. D'une autre manière, mais l'Ancien Testament nous en parle aussi. C'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu 24, si vous connaissez bien la Bible, important de connaître la Bible, ne vous laissez pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai voyagé et parfois j'ai dû m'opposer à des choses que j'entendais parce que ce n'était pas juste. Et on a le droit, vous avez le droit de venir me dire, mais frère Armando, ce que vous nous dites là, c'est pas biblique, c'est pas fondé, c'est pas écrit. C'est pour ça que Paul dira encore, dans les derniers temps, il y aura quoi? Des doctrines de démons jusqu'à séduire même les élus de Dieu. C'est-à-dire, avant la venue du Seigneur, Paul nous dit, dans les derniers temps, on y est là. Il y aura quoi? Des doctrines de démons. C'est des prophètes qui viennent dans vos églises ou des soi-disant serviteurs de Dieu et qui vous racontent n'importe quoi. Et vous êtes là, amen, amen, alléluia, sans contrôler. Vous dites, alléluia. Et tout à l'heure, je vous disais, mais écoutez bien ce que je vous disais. La parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la musique. Et vous avez dit, alléluia. Non, elle ne vient pas de la musique, elle vient de la parole de Dieu. Amen. Et des fois, je fais exprès de faire des erreurs pour voir si vous connaissez. Et vous êtes là tellement concentré, alléluia, la musique. Oui, mais vous êtes là pour le Seigneur. Alléluia, la musique. Parce que vous écoutez, parce que vous êtes connecté à Dieu, pas connecté à un homme qui est en train de chanter ou je ne sais quoi. C'est important ce que je vous dis là. Et aujourd'hui, j'entends tout et n'importe quoi. Et Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons. Et il y a des doctrines de démons qui se sont infiltrées dans les églises, où aujourd'hui, ça ne choque même plus. Parce qu'il n'y a plus de discernement. Et moi, je ne suis pas d'accord. Des fois, j'ai été en Afrique. Je me souviens d'une fois, j'étais en RDC. Vous savez, en RDC, là-bas, c'est une des missions que j'ai fait les plus dures. J'ai dû, à un moment donné, m'opposer aux serviteurs de Dieu. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ils faisaient sans arrêt des appels d'argent. Sans arrêt des appels d'argent. Pour finir, ça me mettait mal à l'aise. Et je lui ai dit, quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai dit, écoutez, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec vous et je ne veux plus parce que ce que vous dites là n'a pas de fondement biblique. Et c'était, alors donnez votre téléphone, hein, celui qui peut donner son téléphone, donne son téléphone, donnez 5 000, qui veut donner 10 000? Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et l'évangile de la prospérité, on vous dit, plus tu donnes, plus Dieu te bénit. C'est faux. Alors quand tu es pauvre, Jésus il a dit, à propos de cette petite vieille, elle a mis quelques petites pièces de monnaie. Mais il a dit à tout le monde, il a dit, elle a donné plus que vous tous. Parce que elle a donné son message. Et les gens sont là, et là-bas ils donnent leur téléphone. Parce qu'il y a cet évangile de la prospérité qui a fait beaucoup de mal en Afrique, même en Europe, mais en Afrique c'est affreux. Vous allez en RDC, vous verriez les gens, mais ils sont prêts à tout donner parce qu'ils sont séduits par ce discours. Mais la Bible dit quoi? Moi je lui ai dit à ce serviteur de Dieu, j'ai souffert, hein. Quand je me suis opposé, après s'il y avait tension, hein. J'ai voulu partir rentrer, j'ai pas pu rentrer, parce que je ne pouvais pas changer mon billet. J'ai dû attendre jusqu'à la fin.
C'était très difficile. Quand je suis rentré psychologiquement, moralement et spirituellement, j'étais pas bien. Mais le Seigneur m'a renouvelé, j'ai pu reprendre le ministère, mais je voulais même arrêter à l'époque. Parce qu'il y avait... C'était très dur. Quand vous vous opposez et que vous voulez garder la vérité, vous savez, c'est dur. Et là-bas, finalement, Enfin, puis j'en passe, je pourrais vous raconter tout ce qui s'est passé, mais c'est... Un homme qui se disait pasteur, pas de parole. Il m'a fait un chèque, j'arrive à la maison en disant, je te paierai ton voyage, j'arrive à la maison. On va avec ma femme à la banque. Je dis, on va aller à la banque. Parce que... Et donc, on met le chèque à la banque. Le chèque sans provision. Une semaine après, la banque me téléphone, Monsieur Gomez, le téléphone sans provision. Et quand j'étais là-bas, je lui dis, mais écoutez, demande à notre pasteur, à l'hôtel, je lui dis, mais j'espère qu'il y a de l'argent, que tu me fais un chèque avec ce que tu as promis. Parce qu'il devait me payer le billet d'avion, c'est très rare. Hein, parce que la plupart du temps, quand je viens d'Afrique, c'est moi qui paye mon billet d'avion. Là, exceptionnellement, il m'a dit, je vous le paye. Ok. Quand j'arrive... Pas d'argent sur le compte. Rien du tout. J'ai dit, mais comment vous pouvez faire ça? Et quand il était en train de signer le chèque là-bas, en RDC, je prends un autre pasteur à témoin, j'ai dit, j'espère que... Oui, il dit. J'arrive là-bas. Une semaine après, ma banque me dit, il n'y avait pas. Mais mes amis, on est où, quoi? C'est des gens qui disent, c'est des loups ravisseurs. Ils ont des églises, mais ils veulent profiter du peuple pour leur propre confort. Ils annoncent l'évangile de la prospérité, ils vident le porte-monnaie des gens pour eux-mêmes, pour qu'ils aient des maisons, des voitures, tout ce que vous voulez. C'est une doctrine de démon. Et elle a fait beaucoup de dégâts en Afrique et elle continue à en faire, même en Europe, mais beaucoup en Afrique, et particulièrement en RDC. C'est devenu, là-bas, un business. Écoutez bien, on est serviteur de Dieu, on s'autoproclame pour du business. Et on profite de la bonté des gens. Parce que les gens, quand ils donnent, eux, ils sont sincères. Mais quand vous vous opposez à la vérité, mes amis, je vous assure que c'était difficile. J'ai souffert à ce moment-là. Mais je veux m'opposer. Et c'est pour ça, moi, je ne viens pas chez vous ici pour vous faire plaisir. Et ceux qui me connaissent le savent. Amen. Je vous assure que vous ne me connaissez pas, mais je ne prêche pas un évangile de complaisance. Je prêche l'évangile tel qu'il est. Pourquoi ? Un jour, selon ce que je prêche, c'est moi qui aura des comptes à rendre. Et moi, je vous dis franchement, je ne suis pas là pour faire plaisir à votre responsable ou au frère qui a organisé ma tournée. Quand je ne suis pas d'accord, il le sait très bien, je lui dis. Parce que je ne veux pas être là parce que je suis blanc et je viens pour faire plaisir. Mais mes amis, un jour, qui c'est qui rendra compte pour mon ministère ? Pour ce que j'aurais prêché. Jésus va me demander des comptes et dit, mais qu'est-ce que tu as dit à cette église là-bas quand tu es passé? Tu as dit n'importe quoi, alors tu rends compte de ça. Mais je ne sais pas si vous vous imaginez. Yes. Et aujourd'hui, on vit des vies chrétiennes où on n'est pas consacré, mes amis. Moi, je suis effaré de voir des gens qui se disent chrétiens, mais quand je regarde leur vie, comme je vous disais tout à l'heure, il y a si peu de consécration. Yes. Des gens se disent chrétiens et dès qu'ils sortent de l'église, là, peut-être que c'est le cas parmi vous, hein, vous allez sortir, vous n'êtes plus chrétien, là. On peut plus dire, c'est un chrétien parce que ici vous l'êtes. C'est facile de l'être ici. Yes. Mais un chrétien, un disciple authentique, on l'est quand on sort de la porte de l'église. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de rester dans le message, tant pis, je me laisse conduire. À votre Seigneur, à votre Sauveur, parce que un jour nous aurons des comptes à rendre par rapport à votre vie. Alors je vous dis une chose, bien sûr, si vous avez accepté Jésus, vous êtes sauvés. Amen. Amen. Mais un jour, ça, on le prêche pas beaucoup, mais un jour, avant de rentrer dans le royaume de Dieu, tous les chrétiens passeront dans ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Yes. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur passeront dans le jugement devant le trône blanc, c'est dit dans l'Apocalypse. Devant le trône blanc, c'est Jésus. Et chacun rendra compte. Les gens qui ne sont pas sauvés. Il est dit dans ce passage, et des livres furent ouverts. C'est le livre de, pas le livre
de l'agneau, où il y a nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie, pour nous les chrétiens, c'est des livres, c'est l'histoire de ces gens qui ont dit, moi Jésus, j'en veux pas. Et devant le trône blanc, ils rendront compte. Ils diront, mais Seigneur, tu vois, je t'ai pas accepté parce que ma maman si, parce que tu vois, je voulais profiter de la vie, et puis je pensais, je croyais pour l'enfer, je savais pas que ça existait. Mais si, Seigneur, oui, mais ta mère t'en a parlé. Ton oncle t'en a parlé. Dans ta famille, tu n'as pas voulu de moi. Aujourd'hui, regarde ce qui t'attend. Et les gens iront en enfer. C'est une réalité. Pareil. Aujourd'hui, l'enfer, faut pas en parler. Faut pas faire peur aux gens. Mais mes amis, celui qui en a le plus parlé dans la Bible, c'est Jésus. Yes. Celui qui en a le plus parlé de l'enfer, c'est Jésus. Et si tu ne marches pas avec le Seigneur, si tu ne prends pas conscience que ta vie, elle est là pour la consacrer au Seigneur, pour être un chrétien authentique, des enfants de Dieu authentiques, pas des gens qui viennent à l'église parce que c'est des chrétiens du dimanche. Mais mes amis, est-ce que t'aimes vraiment Jésus ? Viens pas me dire que t'aimes Jésus alors que t'es toujours en train de mentir. Viens pas me dire que t'aimes Jésus alors que tu trompes ta femme ou ton mari. Viens pas me dire que t'aimes Jésus et que t'as sans arrêt des histoires d'argent en tant que chrétien. Et que tu dis que tu comptes sur le Seigneur, mais non, tu comptes pas sur le Seigneur, tu comptes sur les autres. Mes amis, quand on est chrétien, on critique pas. Quand on est... Regarde, je l'ai dit l'autre jour, mais je vais le refaire pour bien que vous le compreniez. J'ai dit à une église l'autre jour, à l'église Maranatha. David disait, je sers ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? Je sers tes commandements, je sers tes lois, tes ordonnances, je sers tout ce qu'il y a écrit là-dedans parce que je veux marcher. Je veux marcher selon ce qu'il y a écrit dans ta parole. Et je sers ça contre mon cœur parce que si je le sers, je ne vais pas pécher contre toi, ça veut dire que j'ai la crainte de toi, Seigneur. Amen. Et moi, j'ai la crainte du Seigneur en tant que serviteur de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, parce que moi, je ne prêche pas toujours. J'aime être assis comme vous, comme ça, puis écouter. J'aime surtout le regard que le Seigneur a sur ma vie. Tu es un serviteur honnête. Tu es un enfant de Dieu honnête. Je peux te faire confiance. Et moi, je m'en fiche ce que toi, tu penses de moi. Yes. Ou ce que mon pasteur pense de moi, dans le sens que s'il ne me voit pas bien, alors que moi, je sais que je suis bien. Au niveau intérieur, je vais l'écouter, mais je vais lui dire, vous n'avez peut-être pas le bon regard sur moi. Ou tu n'as peut-être pas, toi, chrétien, le bon regard sur moi. Parce que moi, je connais ma vie devant le Seigneur. Et vous savez, David, c'était comme ça d'ailleurs. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était quelqu'un de parfait? Pas du tout. C'est parce que quand il commettait le péché, David, tout de suite, il se reconnaissait. Il disait, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je traverse un moment difficile, je suis dans la déprime. Regarde ceux qui en veulent à ma vie. Mais il était honnête. Et Dieu dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est son honnêteté, c'est sa franchise. Et quand il a commis le fameux péché avec Bathsheba, dès que Nathan lui dit, mais cet homme c'est toi, est-ce qu'il a dit non? Il dit, oui, je comprends, oui c'est moi. Et donc, il a demandé pardon à Dieu, mais ça lui a coûté beaucoup de choses à ce moment-là. Parce qu'à partir, Nathan lui dit, à partir d'aujourd'hui, l'épée sera sur ta maison. Et ça voulait dire, je te pardonne. Mais les conséquences de ce que tu as fait, il va y en avoir. Et il y a eu des conséquences. Malheureusement. Parce que Dieu nous pardonne, mais des fois, nos péchés ont beaucoup de conséquences, mes amis. Quand tu critiques quelqu'un, tu as beau lui demander pardon, mais les conséquences de ta critique ont peut-être nui à sa réputation. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce que je vous dis là, c'est du pratique. Mais pour moi, l'évangile, c'est quelque chose de pratique. Quand vous allez rentrer chez vous, c'est ce que vous allez retenir qui est important. Et vous savez, des fois, on a des messages avec de grandes études. Amen. J'aime les études bibliques. Mais moi, j'aime l'évangile dans sa simplicité. Amen. Parce que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu simple. Amen.
Décidément, ça fait déjà deux fois. C'est un Dieu simple. Et quand Jésus parlait, les gens aimaient l'écouter parce qu'il était simple. Et moi, ce que j'aime, c'est que vous puissiez écouter. Et que quand vous allez, quand vous allez rentrer à la maison, vous puissiez appliquer ce que vous avez entendu. Amen. Que ça vous remette en question. Je ne suis pas en train de vous faire la morale. J'essaye de vous encourager. De vous encourager. Et souvent, je le dis en Afrique, mais aussi ailleurs, soyez des chrétiens dignes de ce nom. Soyez des chrétiens authentiques. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes, c'est ce que tu es devant le Seigneur. C'est ta vie de communion avec lui. C'est la lecture de la Bible, cette communion que tu as en lisant la Bible chaque jour, en méditant la Bible, en étant dans sa présence. Vous savez, si vous vous attendez toujours à votre pasteur qui est prophétesse ou autre, mais ce n'est pas ça. Il y a trop de gens, ils veulent toujours aller voir un prophète pour leur dire qu'est-ce qui va arriver demain. Yes. Et il y en a, si c'est un prophète qui est invité, vous allez voir le nombre de gens qui viennent. Parce que les gens veulent savoir ce que demain sera. Mais moi, je le sais. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon pasteur. Pourquoi ? Parce que moi, je veux dépendre de mon Seigneur. C'est lui qui a la primauté. Quand je suis malade, avant d'aller voir qui que ce soit, un serviteur de Dieu, le pasteur, tout ce que vous voulez, la primauté, je dis, Seigneur, c'est toi. Pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne font jamais d'expérience. Ils n'ont jamais fait l'expérience d'être guéri de quelque chose parce qu'ils s'attendent toujours à ce que la sœur prie pour eux, à ce que tel serviteur de Dieu qui passe prie pour eux. Les amis, moi je prie pour moi-même. Et je fais des expériences où Jésus me touche. Et je peux dire, quand j'entends quelqu'un, des fois dans un témoignage qui dit telle et telle chose, dans ma tête, ah, je l'ai vécu ça. C'est vrai. J'ai vécu aussi. Mais t'as des gens, quand ils entendent un témoignage, ils sont là. Oh, mais attends, t'as jamais rien vécu avec Dieu. Plus tu connais le Seigneur intimement, plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas le respecter, plus tu vas, ta foi va grandir, tu vas prendre des racines, tu vas pas dépendre des autres. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du psaume 73, lorsque Asaph traverse ce moment difficile et qu'il dit qu'il portait envie aux insensés, qu'il portait envie aux gens du monde. Il disait, regarde, il disait au Seigneur, ils sont pleins d'embonpoint, ils ne se soucient de rien. Et le Seigneur ne dira pas le contraire, mais dans ce psaume, à un moment donné, ok, mais le Seigneur va lui révéler quelque chose à lui dire. Parce qu'à un moment donné, dans cette situation qu'il vivait, Asaph, eh bien, il portait, comme je dis, envie aux gens du monde. Il dit, mais ça sert à quoi de te servir? Puisque, regarde, ces gens-là, ils se soucient de rien, puis ils ont tout. Et à un moment donné, il est dit, dans le texte du psaume 73, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans cette difficulté qu'il vit, il ne va pas voir son pasteur, il va voir le Seigneur. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il vienne devant la présence de Dieu dans la prière. Et quand il est dans ce moment-là, Dieu va lui révéler, il va lui dire, ok, regarde les gens, ils ne se soucient pas de moi, c'est leur liberté. Mais un jour, dans l'éternité, c'est pas comme ça dit dans le texte, mais on comprend très bien que dans le texte, le Seigneur lui fait comprendre que ces gens-là, un jour, la conséquence, c'est qu'ils ne seront pas dans l'éternité. Ils ne seront pas auprès du Seigneur, parce qu'ils sont pleins dans mon point, ils sont gros, ils font ce qu'ils veulent, et Dieu leur laisse la liberté. Mais un jour, ils seront là. Et lui-même, il dit, en tant que chrétien, je portais envie aux insensés, aux gens du monde. Et à la fin, quand Dieu lui montre, lui révèle quelque part, en lui faisant comprendre qu'un jour, ces gens-là, ben, ils ne seront pas avec lui dans l'éternité. Parce qu'ils ont mené leur vie comme ils voulaient. C'est là qu'à la fin du psaume 73, verset 28, il dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi ? Parce que là, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu t'attends à lui, alors Dieu te donne des réponses. Amen. Les réponses que tu cherches, tu les trouves auprès du Seigneur. Donne-lui la primauté. Yes.
Mais si tu vas tout de suite voir ton pasteur, la sœur qui est très spirituelle, ou j'en sais rien, le pasteur qui va passer, le prédicateur, super prédicateur, le révérend, révérend, je sais pas quoi, et révérend et encore révérend. Vous savez pas ce qu'il y en a, c'est des révérends, pasteurs, prophètes, et enfin ils ont tout quoi. Je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils font pour tout cumuler. Moi j'ai déjà du mal à cumuler mon ministère d'évangéliste chanteur. Mais il y en a, ils ont tout. C'est des honneurs. Ça sert à quoi tout ça? Rien du tout. Mais quand tu prends le temps de chercher Dieu pour avoir une réponse, comme Asaph dans ce moment difficile, crois-moi, le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va te révéler des choses. C'est une réalité ce que je vous dis là. Et c'est pour ça que David dira par ailleurs, j'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. Vous dites Amen, non? Amen. Non, on va dire Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume? Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. Il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes détresses. Donc quand tu cherches Dieu, il te répond. Et David le dit, ça m'a souvent parlé, je l'ai toujours retenu. J'ai cherché l'Éternel. Et quand... David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ce chercher implique un jour, une semaine, un mois, 2 ans, 10 ans pour avoir la réponse. Mais si tu cherches, dans le temps de Dieu, tu auras la réponse. Amen. Et pour ta propre vie, n'attends pas toujours des autres. Ah Seigneur, quelle est ma destinée sur cette terre? À quoi tu m'appelles? Quel est mon ministère? Quand je dis ministère, c'est travail. Hein. C'est parce que vous n'êtes pas tous appelés ici à être des pasteurs, des évangélistes, ou selon Éphésiens 5, 11, si j'ai bonne mémoire. Mais vous êtes tous appelés à faire quelque chose, parce que vous avez une destinée sur la terre, peut-être à être musicien, à utiliser ta voix, peut-être à t'occuper simplement des enfants dans la rue, j'en sais rien, peut-être à t'occuper simplement de ta famille. À être un chrétien authentique dans la société, à être un témoignage là où tu es, à faire des études et servir le Seigneur dans un bureau, dans les douanes. J'en sais rien. Mais c'est ça, peut-être, ta terre de mission. Mais cherche Dieu. Moi, aujourd'hui, ce que je suis, un chanteur évangéliste, je n'ai pas toujours été chanteur évangéliste. J'ai commencé par des petites choses dans l'église où le Seigneur m'a formé pour en arriver au ministère que j'exerce aujourd'hui. Et je le savais dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à ce ministère. Je le savais, mais j'ai attendu le temps de Dieu. Je me suis formé et je n'ai pas attendu que ce soit un prophète qui me le dise. Un prophète va venir vous confirmer ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Voilà. Par exemple... Parce qu'il y a des prophètes qui arrivent et qui nous disent « Tu vas avoir un grand ministère, tu vas faire ci. » Finalement, c'est du bidon parce que ça ne se réalise jamais. Et vous, vous êtes là « Oh !» Non, non, moi je ne suis pas comme ça. Je dis « Un prophète qui vient, il va confirmer ce que Dieu a déjà placé dans ton cœur. » C'est à ça que tu reconnais un vrai prophète. Mais sinon, si tu es troublé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des gens, les prophètes passent dans les églises, ils donnent des paroles comme ça. Et d'un seul coup, après, quand il s'en va, c'est le pasteur qui doit gérer, parce que les gens ont reçu des prophéties, elles ne se réalisent jamais. Ça crée des divisions, ça crée des tensions dans les églises. Mais c'est par manque de maturité aussi, par manque de maturité de vous, parce que vous êtes en train de dire, vous êtes d'accord, mais... Au départ, c'est peut-être toi qui l'as reçu la prophétie. Pourquoi t'as accepté? Il y a des choses, mes amis, qui sont tellement... Voilà, non? Moi, je crois que Dieu est un Dieu sage et que Dieu confirme les choses dans leur temps. Par un prophète ou autre, hein. Ça peut être quelqu'un dans l'église qui un jour vous donne une parole de connaissance, quelque chose... qu'il n'était pas du tout au courant. Et là, tu te dis, ah, ouais, ça vient du Seigneur. Vous voyez? Mais avoir la sagesse. Mais il y a des gens qui, par plaisir, sont là, donnent des paroles, tout ça. Mais mes amis, on est là pour quoi? Ministère. Encore une fois, j'étais parti là-dessus. Un jour, je aurai des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Sur ma vie.
et je serai seul devant lui dans le tribunal de Christ. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait du ministère auquel je t'avais appelé? Qu'est-ce que tu as fait du travail auquel je t'avais appelé à faire? Dans les douanes, tu étais là-bas comme secrétaire, ou tu étais là-bas comme chef des douanes. Je t'ai appelé à être un témoin fidèle. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? T'as truandé? T'as volé? Quand les gens venaient, et puis ils te disaient, mais je sais que vous êtes chrétien, essayez de permettre que le colis qui est bloqué soit débloqué. Et la personne, le Seigneur a dit, mais elle est venue te voir, tu étais chrétien, pourquoi tu ne l'as pas dépanné? Au lieu de la dépanner, tu as dit, il faut me donner 5 000 francs CFA. C'est ça. Ça vous parle parce que vous savez que c'est vrai. Yes. C'est une réalité, mes amis. Oui. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas compter sur Dieu. Parce que si Dieu vous place quelque part et vous dit que vous êtes chrétien, alors soyez ce témoin comme l'a été Daniel en son temps. Yes. Dieu l'a mis premier ministre. Yes. Et vous croyez qu'il est allé dans le sens de ce qu'on lui disait de faire? On essayait de le. Parce qu'ils étaient jaloux de lui. Il a dit, regardez, il brille, là, vous avez, il y a un décret qui a été fait, comme quoi il fallait adorer que toi, au roi. Mais lui, il continue à prier 3 fois par jour. Et il a continué. Il s'est pas occupé du décret. Et qu'est-ce qu'il... Alors, comme ça, un décret, il faut le mettre au lion. Et puis, ok, bah, il est allé, on l'a mis au lion, mais dans la cage au lion, il y avait quelqu'un qui était avec lui. Avec toi, mais Jésus est avec toi quand tu es avec lui. Yes. Quand tu observes sa parole, quand tu la serres contre ton cœur, yes. Pour ne pas pécher contre lui, mes amis. Regardez encore, en parlant de chrétiens, que Dieu a établi et mis à disposition. C'est pas pour truander, c'est pas pour t'enrichir, c'est pour être un témoin, pour dépanner les autres. Parce que si tu es un témoin là-bas en tant que chef aux douanes, hein, ou dans ton bureau, et que tu bénis les gens, mais les gens auront envie de connaître Jésus, auront envie Amen. D'aller à l'église, Amen. Auront envie de t'écouter. Amen. Et si à chaque fois tu leur demandes de l'argent pour que le colis passe, mais je sais que c'est une réalité. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas dire que vous êtes... Et vous croyez que le Seigneur ne le sait pas? Mes amis, il le sait. Et un jour, tu auras des comptes à rendre. Amen. Tu auras des comptes à rendre. Regardez. Encore, j'aime beaucoup Daniel, j'aime beaucoup aussi, comment il s'appelait, Joseph. Joseph, on a essayé de le tuer, ses propres frères. Mais il y avait, la Bible nous dit, en parlant de lui, et Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui. On retrouve souvent ce terme, en parlant de Joseph, même de David. Dieu était avec lui, pourquoi? Parce qu'il appliquait sa parole. Et quand il arrive dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Potiphar voit qu'il est béni, cet homme qui lui avait remis toute la direction de sa maison. Il réalise qu'il est béni à cause de ce chrétien qui était dans sa maison. Il a vu, c'est dit dans la Bible, qu'il voyait que ses affaires prospéraient parce qu'il y avait un chrétien authentique dans sa maison, un disciple du Seigneur qui s'appelait Joseph. Amen, amen, amen. À tel point que, vous le savez ça aussi, Potiphar va lui dire, je te donne tout ce qu'il y a dans ma maison, tu diriges comme tu veux. Il y a une seule chose à laquelle tu ne dois pas toucher, c'est ma femme. Pour lui, il n'y avait aucun problème, là, si lui était au clair, mais il lui dit quand même. Et puis c'est le contraire, c'est cette femme qui essaye de le piéger. Et vous savez, c'est un homme. Et au moment où cette femme vient, quand il est tout seul, et qu'elle dit, couche avec moi, elle lui prend même son vêtement, il est obligé de partir. Alors là, il y a des gens qui, s'ils lisaient ça, ils disaient, mais quel mauviette, il avait une occasion et puis il n'a pas saisi. Ah, les gens du monde, c'est comme ça, et même peut-être des chrétiens. Mais lui, il a voulu faire plaisir à Dieu. Il a voulu faire plaisir au Seigneur. Et il n'a pas touché. Amen. C'est une réalité. Et après ça, elle va mentir. Alors, il en subit les conséquences. Son maître le met en prison. En prison, le Seigneur l'a laissé tomber. Jamais. Il l'a pas laissé tomber. Encore en prison, il arrive.
il est honnête, il devient le chef des prisonniers. Yes. Parce que c'est comme si c'était un douanier. Là, il sert Dieu encore. Il devient le chef des prisonniers et ainsi de suite. Pour vous dire que, franchement, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, je suis désolé, ce n'est pas le thème que j'aurais voulu développer, mais ça ne fait rien. Parce que je crois que le Seigneur est souvent, je me laisse conduire. Un jour, peut-être, je redévelopperai ce message. Je vous en ai un petit peu parlé. Mais important ce que je vous dis là. Un jour, je ne sais même pas si on aura le temps de se revoir parce que je crois profondément que le Seigneur est à la porte. Je le crois, mes amis. Je ne vais pas vous donner de date parce que ceux qui annoncent des dates, ce n'est pas biblique encore. Hein? Parce que ce qui est étonnant, c'est que beaucoup connaissent la date du retour de Jésus et ça a déjà été annoncé bien des fois. Je n'ai pas le temps, j'ai tout un dossier dans mes notes où des gens bien attentionnés, des hommes de Dieu même, hein, ont annoncé des dates. Et Jésus, dans Matthieu 24, dit, quand on lui pose la question, les disciples lui disent, mais quand c'est que tu vas revenir? Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, ni moi, ni les anges, mais seul Dieu le Père sait. Mais par contre, dans Matthieu 24, Jésus dira, voici les signes juste avant ma venue. Et juste avant la venue du Seigneur, Jésus dira, il y aura des tremblements en divers lieux, il y aura un royaume s'élèvera contre un royaume, il y aura des famines, regardez, il y aura des épidémies. On est en plein dedans, hein, avec le Covid-19. On est en plein dedans. Et il dit, donc avant ma venue, il faut qu'on connaisse. Et aujourd'hui, le problème aussi, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les signes du retour du Seigneur. Donc, ils sont là, ils attendent, mais quand on leur dit, mais est-ce que tu sais que le Seigneur a dit telle et telle chose? Non, ils ne connaissent pas les signes. Matthieu 24, il y a tous les signes. Il dira encore, un royaume, il dira, beaucoup viendront en mon nom, disant, c'est moi le Christ. Mais il y en a plein qui disent, moi je suis Jésus. C'est des malades. C'est pas. Non, Jésus, c'est le faux prophète. Et c'est, ça fait des sectes. Il dira encore, dans Matthieu 24, verset 12, je vais bientôt terminer, c'est très important, et ça c'est vraiment un signe. Il dit, parce que l'iniquité, c'est Matthieu 24, 12, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À qui est-il en train de dire cela, Jésus? À qui est-il en train de dire cela? Matthieu 24, verset 12. Il est en train de dire cela, non pas aux gens du monde, il est en train de dire cela à son Église. Il dit, avant ma venue, parce que l'iniquité, le péché aura grandi dans le monde, l'amour du plus grand nombre, c'est-à-dire dans mon Église, se refroidira. Et aujourd'hui, je le constate, mes amis, c'est que dans les Églises, l'amour pour Jésus, je suis en train de vous en parler depuis un moment quelque part, hein. Quand je vous parle qu'il faut marcher dans ses voies, dans les commandements, qu'il faut être un chrétien authentique, un disciple, je suis en train de vous dire qu'il faut avoir de l'amour pour Jésus. Parce que les gens qu'on attend, c'est les gens qu'on aime. Les gens qu'on n'aime pas, on ne les attend pas. Mais les gens qu'on aime, on est déjà en train de penser à cela. Tiens, ma tante va venir de Casamance. Ah, je vais aller la chercher au car. Et on a de la joie. Mais les gens que vous n'aimez pas, vous arrivez en retard. Jésus, quand on aime, on ne compte pas. Hein? Mais il dit, avant ma venue, à cause du péché qui aura grandi, et aujourd'hui le péché a grandi dans le monde, il y a une tension, on veut marcher avec Jésus, mais on sent cette pression d'iniquité du péché qui est là, qui nous colle à la peau, et finalement il y a des chrétiens, il y a tellement de cette pression, et là il la sent tellement, que d'un seul coup, ils retournent dans le monde quelque part. Et ils ont du mal à avancer à cause de cette pression. Et l'amour diminue. C'est ce qui fait qu'il y a des chrétiens, ils ont un pied dans le monde à cause de cette pression et un pied dans l'église. C'est-à-dire, il y a un peu de spirituel et il y a un peu de monde. Et tout ça, c'est mélangé. Non, mes amis. Coûte que coûte. Cette pression est là parce que Jésus est à la porte. Mais ne te laisse pas refroidir au niveau de l'amour que tu as pour le Seigneur, parce que c'est ton amour qui fera que tu vas l'attendre. On attend que les gens qu'on aime. Et regardez, pour preuve, les vierges folles. Juste après Matthieu 24, il y a, comme par hasard Matthieu 25, c'est le cas des vierges sages, la parabole des vierges sages et des vierges folles. 5 étaient prêtes, 5 ne l'étaient pas. 5 avaient de l'huile, 5 en avaient bu. C'est quoi cette huile?
Cette huile représente l'amour que nous avons pour Jésus. Amen. Et pour preuve, je résume très vite mon message, c'est dit dans Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cinq avaient de l'huile en abondance. Et cette huile qu'elles avaient en abondance, tu la comment? Dans ton intimité avec Jésus. Yes. C'est quand tu es en connexion avec lui qu'il déverse cet amour dans ton cœur. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand elles disent « Donnez-vous de votre huile car nos lampes s'éteignent », elles disent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter, c'est ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, les doux arrivent. Amen. Et la Bible dit « Celles, ceux, on pourrait dire, qui étaient prêtes, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. » Plus tard, la Bible nous dit, vous lirez dans Matthieu donc, 24, 25, du verset au verset 13, si j'ai bonne mémoire, pendant qu'elles allaient en acheter, et pour arriver, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, elles sont là derrière la porte, je ne sais pas si vous vous imaginez la scène, elles sont là derrière la porte est bien fermée, les autres cinq sont déjà rentrées, elles sont là, elles frappent, imaginez-vous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, s'il te plaît. Et il y a comme un silence derrière cette porte. Et le texte, vous lirez, dit « Je ne vous ai jamais connu. » Il dira ça, il est en train de dire ça à des chrétiens, hein, à des chrétiennes. Hein. « Je ne vous ai jamais connu. » Et ça se termine en disant « Veillez donc, encore une fois, c'est dit dans Matthieu 24, « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, dit Jésus, seul Dieu le Père et les anges. » Et là, il dira encore « Veillez donc, parce que on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. » Il faut veiller. Et veiller, c'est être en éveil. C'est pas être dans la peur, hein, veiller. Yes. Une maman qui veille son bébé, elle n'est pas dans la peur. Yes. Elle est simplement là parce qu'elle l'aime. Elle aime son enfant, puis elle veille pour qu'il soit bien. Mais là, c'est pas être dans la peur, mais veiller, c'est marcher dans les voies du Seigneur. C'est avoir une communion avec lui. Vous savez ce qui fait qu'on n'a pas peur et qu'on veille? C'est quand on est dans l'intimité de Jésus. Hein. Yes. Vous savez, les couples qui marchent le mieux, c'est quand ils sont intimes. Les couples qui marchent le mieux, c'est quand il y a une intimité l'un avec l'autre. Mais je parle d'intimité dans le sens qu'il y a une relation. On discute, on parle. C'est ce qui amène à avoir un équilibre dans les couples. Et cette intimité d'amour, de communication l'un vis-à-vis de l'autre, les amène à vivre même des relations sexuelles ou autres où les gens s'épanouissent. Mais là où il n'y a pas de communication dans le couple, eh ben forcément que ça n'ira pas bien dans les relations sexuelles et tout ce que vous voulez. Ça, il y aura toujours des difficultés, des tensions. Mais lorsque tu me respectes, lorsque je te respecte, etc., qu'on discute, eh bien ça nous amène à vivre des temps bénis, que ce soit dans la sexualité ou dans tout ce que vous voulez. Dans un moment où on va au restaurant, un moment où on est en famille, un moment où on est avec vos enfants. Mais voilà, des fois vous voyez des couples, vous sentez qu'il y a une tension. Ils arrivent, vous la sentez. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais dans l'intimité, si vous vivez une intimité avec le Seigneur, vous allez grandir, mes amis. Vous allez connaître comme les vierges sages, qui elles savaient que Jésus, toute leur vie, elles l'ont attendu, et toute leur vie, elles avaient une intimité, elles recevaient de ce liquide précieux. Cet amour pour Jésus, elles l'ont attendu. Les autres, elles étaient en chemin, pareil, mais c'est le monde qui a gagné sur elles. Et au début, elles sont toutes en route. Mais à la fin, cinq sont sauvées. Et cinq ne le sont pas. Donc, quand on dit « Est-ce que tout le monde sera enlevé quand le Seigneur reviendra ?» Je ne crois pas. Parce que ce texte nous dit clairement. Tout le monde ne sera pas enlevé, mes amis. Seulement ceux et celles qui seront prêts et qui entendront la trompette de Dieu sonner, comme il dit dans 1 Thessaloniciens. Au moment où la trompette de Dieu sonnera, seulement ceux et celles qui sont prêts seront enlevés en un instant, en un clin d'œil. Si tu es prêt comme les vierges sages, est-ce que tu entendras la trompette de Dieu ou pas? Ou bien tu vas rester sur la terre? Beaucoup resteront comme les vierges folles. Et vous allez entendre sur la radio-télévision sénégalaise
Nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous venons de recevoir une dépêche comme quoi, dans le monde entier, des milliers de gens ont disparu. Et vous, vous saurez que c'est le retour du Seigneur. Parce que Dieu en a entendu parler. Et là, il y aura non seulement des fois des familles, des couples, le mari sera enlevé, ou la femme, ou l'enfant, mais pas les parents, ou le pasteur de cette église restera, et toute l'église, la plupart, seront enlevés, ou bien il n'y aura que quelques personnes. C'est ça sera une réalité, ça sera le moment de vérité. Parce que l'iniquité, ce sera que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh mes amis, que vous ayez de l'amour pour Jésus. Yes. Si seulement vous pouviez retenir ça de mon passage. Ayez de l'amour pour le Seigneur. Soyez des chrétiens authentiques, des disciples qui aiment Jésus, des disciples qui le servent avec tout leur cœur. Ne venez pas à l'église pour faire plaisir à qui que ce soit. Amen. Venez Amen. Parce que vous aimez Jésus. Amen. Venez parce que vous voulez vous consacrer. Amen. Et soyez les mêmes ici que vous êtes à la maison. Amen. Faites attention à ce qu'on vous dit. Il y a tellement de faux prophètes. Jésus est à la porte et il nous dit dans les derniers jours, il y aura les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, calomniateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a toute la liste dont nous parle Paul. Aujourd'hui, les gens sont fanfarons, amis de l'argent, calomniateurs. Et on le retrouve même dans l'église. Soyez pas comme ça. Soyez vraiment, remettez-vous peut-être en question. T'es jeune. Tu es peut-être âgé, peu importe, mais aime Jésus. Yes. Aime Jésus, respecte-le. Amen. Sois pas un chrétien du dimanche, sois pas quelqu'un qui n'est pas vrai. Si Jésus revient, il va regarder à ton cœur. La Bible dit encore, le jugement de Dieu commencera par sa maison. Amen. Pas par le monde là-bas, mais par sa maison. Et quand Jésus revient, c'est par sa maison que ça commence le jugement. Il va voir, oui, toi tu es prêt. Nous serons enlevés en un instant d'un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Imagine-toi si ton enfant reste ou si ton épouse reste. Ça sera terrible. Ou tes frères, j'en sais rien. Ça sera terrible parce que ça sera le moment de vérité. Mais tu peux avoir l'assurance d'être enlevé. Moi, j'attends le Seigneur jour après jour. Ça a été un moteur dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'attends le Seigneur. Parce que c'est de loin le meilleur d'être avec lui, mes amis. Hein? C'est pour ça que la Bible nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et quand tu t'attaches déjà aux choses d'en haut, bien, tu vis déjà les valeurs du royaume de Dieu. Mais nous, des fois, on est tellement attachés aux choses de la terre. Encore. Il y a des chrétiens qui disent, oh, bah, écoute, reviens Seigneur, mais attends encore un peu. C'est parce que tu ne connais pas ce que c'est que le ciel. Parce que bien des gens qui ont eu la vision du ciel n'avaient même plus envie de revenir. Yes. Paul il dit, quand j'ai été ramené au troisième ciel, j'ai vu des choses ineffables qui ne pouvaient même pas expliquer avec les mots. Et s'il aurait pu rester, Paul, je pense qu'il serait resté. Et bien des gens qui ont eu le privilège de pouvoir être enlevés en esprit et qui ont vu des choses, ils le disent. Je ne dis pas que tout est vrai. Il faut avoir du discernement, mais... Il y a des choses, ils disent, mais c'était tellement merveilleux. Les amis, le ciel sera de loin meilleur que tout ce que nous vivons sur la terre. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, mais être auprès du Seigneur, ce sera de loin le meilleur. Alors sur quoi tu veux miser? La terre, ici tu y es pour 80 ans, 50 ans, et c'est quoi à côté de l'éternité? Ça vaut la peine de marcher avec Jésus et d'être honnête avec lui. Soyez une église honnête. Soyez une église qui attire les perdus par votre témoignage, qu'elle se remplisse d'hommes et de femmes qui ont encore besoin de le connaître. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux juste quelques instants. Seigneur, je veux te louer et t'adorer, Seigneur. Je veux vraiment te dire merci pour cette église, Seigneur. Seigneur, merci d'avoir permis que je sois ici. Seigneur, j'ai pas développé le message comme j'aurais voulu, mais Seigneur, je crois que tu m'as conduit comme ça. Et je veux vraiment bénir, Seigneur, chacun de ceux et de celles que j'ai essayé d'exhorter ce matin du mieux que j'ai pu, Seigneur. Je prie que chacun ici, ce matin, réalise combien, Seigneur, tu es bon et combien tu aimes chacun d'un amour particulier. Mais tu demandes aussi à chacun d'être un disciple, un chrétien authentique. Et je prie qu'ici chacun, Seigneur, puisse vraiment marcher dans une vie de sanctification
avec toi, de mise à part. Je prie qu'ici, il y ait des hommes et des femmes qui te recherchent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent vivre dans l'attente de ton retour, comme les vierges sages. Oh, je prie pour chaque personne ici. Je prie qu'au moment où tu reviendras, tous soient enlevés. C'est mon désir. Mais est-ce que tous le seront? Je ne sais pas, toi tu le sais, Seigneur. Mais je prie ce matin, Seigneur, que ceux que tu as interpellés dans un domaine ou dans un autre puissent, Seigneur, se remettre en question et dire, oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux me reconsacrer à toi. Je veux vivre dans l'attente de ton retour. Je veux être un témoin là où tu m'as placé, dans ma famille, dans mon couple, aux douanes, à l'école. Seigneur, je te prie pour chacun ici. Que chacun réalise, Seigneur, que même en sortant de l'église, il continue à être ta brebis. Et tu suis chacun de nous de ton regard. Tu sais ce qui se passe dans notre chambre, dans notre maison. Rien ne t'est inconnu, Seigneur. Rien ne t'est caché. Et je prie que chacun ici soit sérieux avec toi. Sérieuse avec toi. Oh, je prie pour ça. Et je voudrais faire cet appel en disant, mais ce matin, si tu t'es senti interpellé par différentes choses que j'ai évoquées, eh bien, j'aimerais simplement que là où tu es à ta place, tu puisses dire, écoute, Seigneur, c'est vrai que dans tel domaine, je convoitais. C'est vrai que dans tel domaine, je n'étais pas un témoin et j'ai aussi demandé de l'argent parfois pour rendre un service alors que je pouvais le rendre sans demander de l'argent. Seigneur, peut-être tu te retrouves aussi dans le sens que tu t'es refroidi dans ton amour pour Jésus. Pour d'autres, tu es trop attaché aux choses de la terre et finalement, tu te laisses aller dans des péchés où tu sais que vraiment, ce n'est pas bien et que le Seigneur condamne ces choses. Mais tu crois que le Seigneur ne le voit pas. Et finalement, le Seigneur t'a déjà repris, mais tu continues dans ce péché que tu caresses. Pour d'autres, vous ne vivez plus dans l'attente du retour du Seigneur. Vous l'avez mis quelque part de côté. Vous dites, mais j'ai encore le temps. Non, tu n'as pas le temps. Le temps est compté. L'heure est avancée. Et Jésus revient très très vite. Plus vite que tu ne le penses. Il viendra au moment où tu t'y attendras le moins. C'est ce que dit Matthieu 24, 44. Il est dit que c'est au moment où tu t'y attendras le moins que le Fils de l'homme viendra. Donc, si tu te retrouves dans tout ce que je viens d'évoquer, les uns ou les autres, j'aimerais simplement que là où vous êtes à votre place, vous puissiez vous lever et je vais prier pour que le Seigneur puisse vous donner une onction renouvelée, une consécration renouvelée et que vous puissiez marcher en tant que chrétien digne de ce nom, être renouvelé dans votre amour pour le Seigneur et vivre dans l'attente de son retour parce qu'il est à la porte. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever? Si vous vous retrouvez dans ces choses, je veux simplement en conclusion prier pour vous. Oh Seigneur, y en a-t-il d'autres ce matin qui veulent être renouvelés parce que vous sentez qu'il y a des choses que vous avez entendu ce matin et vous avez besoin tout à nouveau de vous reconsacrer pour aller de l'avant. Oh Seigneur, y en a-t-il encore d'autres? Ceux qui veulent être renouvelés dans ce feu aussi du premier amour pour Jésus, pour vivre dans son attente. Rappelle-toi, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ce feu qui t'avait embrasé, veux-tu retrouver ce feu pour vivre dans l'attente du retour de Jésus? Y en a-t-il encore d'autres? Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Parce que je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur. Seigneur, je t'apporte, en conclusion, chacun et chacune de ces bien-aimés. Seigneur, je prie que tu bénisses les unes et les autres. Que dans ces domaines, Seigneur, où, Seigneur, ils ont besoin que tu interviennes, Seigneur, et bien tu puisses ce matin les visiter.
tu puisses leur pardonner, Seigneur, les écarts peut-être qui ont été faits. Pour d'autres, Seigneur, ils ont besoin vraiment d'être renouvelés dans ce feu du premier amour. Et je prie que leur amour déborde pour toi. Je prie qu'il y ait une nouvelle consécration dans le travail que tu as pour eux, là où tu les as placés. Je prie, Seigneur, que ce matin, Saint-Esprit souffle sur eux. Renouvelle tes enfants. Touche-les. Donne-leur de marcher avec consécration, d'être sérieux devant toi, sérieuse. Seigneur, je les bénis. Je les bénis, Seigneur, et je prie qu'ils soient désormais de ceux et de celles qui vont témoigner que tu es à la porte, qui vont témoigner, Seigneur, que tu es ce Dieu qu'ils aiment. Seigneur, que leur témoignage change. Je prie qu'il y ait plus de sérieux dans la vie de certains. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Pour chacun et chacune, soyez bénis, parce que le Seigneur vous aime. Vivez dans l'attente de son retour. Parlez de lui, parlez de son retour. Ô Seigneur, merci pour chacun et chacune d'elles. Saint-Esprit, dans ce moment, souffle dans les cœurs. Renouvelle, guéris, console. Je sais que tu es là, Jésus. Et je bénis chacun et chacune, Seigneur. Mon désir a été simplement d'encourager, non de condamner qui que ce soit ici, mais de vous encourager à aimer et à suivre Jésus, à vivre dans son attente, car il est à la porte et il revient bientôt. Bénis Seigneur, bénis tes bien-aimés. Ô Seigneur, onction de Dieu descend sur eux. Laissez-vous toucher par la présence de Dieu, parce qu'il est là. Il est là avec chacun de nous. Ô Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Pour ta grâce dans ce moment, Jésus. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Renouvelle ceux qui sont fatigués. Donne une nouvelle perspective à ceux, Seigneur, qui n'en avaient plus. Je prie pour chacun. Pour chacun, retrouve la vision, Seigneur, la direction, Seigneur, que tu lui avais donnée, qu'il revienne sur le chemin que tu lui avais donné au départ, ce chemin dans lequel tu t'étais écarté, reviens à ce que le Seigneur t'avait dit, reviens dans la vision de Dieu, ne sois pas à côté, mais reviens à ce que le Seigneur avait placé dans ton cœur. Oh, soyez bénis, soyez encouragés. Amen.